Allô! Alors, on est le 22. On est l'après-midi. Puis là, Florence va faire son petit dodo. Ah, Florence? Oui. Avant de me brosser Ouais, puis là, moi, je suis comme stressée depuis un matin. Je sais pas pourquoi. Fait que je vais me dents. prendre un bain Elle relaxant. va prendre son bain pour C'est se ça. calmer. Oui. Fait que je vais prendre un bain. Je me suis fait une tisane à la rescousse de maman. Puis ça, c'est sa serviette pour Oui. qu'elle C'est vienne me suivi. donner un bain. Puis je vais mettre le pain au soleil, je pense, je l'ai dit. Au soleil, soleil. Ok. Ça va sentir bon. Puis c'est ça, je vais prendre mon bain puis je vais essayer de relaxer cet après-midi là, avant que qu'Annabelle revienne de l'école. Bon matin, mon amour. On s'en est fait un petit déjeuner. On n'a pas de patates, donc on a fait des frites puis on les a coupées. Du bacon, comment ça s'appelle? Bacon de dos. Voilà. Et des œufs. Et là, on essaie de faire un jus maison. On sait, Florence. On va faire un jus maison ici. J'espère que ça va blender. Allô, allô! Moi et Florence, on s'en va faire des commissions entre filles. Fait qu'on s'en va à la pharmacie. Hein, Florence? Oui. Non. Mais il y a plein de décorations à la... Ah oui? À la pharmacie. Moi, je suis déjà y allée. Oui, on est déjà allé. C'est ça. Tiens, gars. Ma route, là. Non, c'est pas ça. Oh, oui. Je comprends pas le temps. Moi aussi, ça m'arrive des fois. Hein. On est revenu de la pharmacie, puis là j'ai fait les ongles à Florence. Florence, elle voulait que je mette du vernis. Elle vous montrera ça tantôt. Petit gars, qu'est-ce que t'as mis? Hein? Tu gâches le temps que ça sera pas fait, tu peux chier. Bon, fait que c'est un rabais à 1,99. J'ai pensé à toi. Dur sur la graisse, doux pour les mains. Merci. Avec la vitamine E. Puis comme ça. J'ai acheté 6 boîtes de papier mouchoir. J'ai jamais essayé de cette marque-là. Je sais pas parler de quoi. Puis il y avait 2 fois ça, 2 fois 6, là, comme ça, pour 4,99. Fait que ça valait la peine. J'ai racheté l'huile nettoyante comme ça d'Exomega, de Aderma, c'est-à-dire. Avec mes petits sacs de poubelle que je mets dans ma chambre. C'est tout le temps que je prends. Puis du clotrimazole. Ouais. Je m'en vais faire mon devoir, c'est ça? Oui. C'est juste parce que je sais. Tu vas avoir besoin que tu le prennes lui. Parce que c'est le bois d'or, bien abstime, ces affaires-là. Un bon. Donc, en mode étude, j'ai mon 6e devoir. Frédéric m'a fait une bonne sandwich aux tomates. Là, je travaille avec mon logiciel simple comptable qui a pris je sais pas combien de temps avant de fonctionner. Faut qu'on essaye ça. Vous faites un petit pique-nique? Oui. Oui. C'est une soirée quoi? C'est une soirée pyjama. Une soirée de film? Oui. Qui risque d'être un film avant le dodo, puis peut-être un après, ou je sais pas trop. Mm-hmm. Pas avant le dodo, avant le bain, voyons. Un film avant le dodo, puis un après. Bravo. Bon. On revient du patinage des filles. Fait qu'on est samedi.
Puis là, Frédéric est dehors avec Annabelle, puis pas Annabelle, mais Florence puis Olivier. Parce que, ben, dans le fond, on a fait changer les pneus d'hiver. On a fait poser les pneus d'hiver, c'est-à-dire, puis là, il voulait aller les porter dans le garage. Puis il faut aussi qu'il termine de fermer la piscine pour l'hiver, parce que là, il avait juste vidé. Fait que c'est ça. Il s'apprête à faire cela. Puis moi, j'essaie de... J'ai eu deux autres résultats de voir. Je suis tellement contente, là. De voir 3, j'ai eu 94. Puis de voir 4, j'ai eu 100. Ça me fait une moyenne en date sur mes 4 devoirs de 98, ce qui est très bon. Fait que c'est ça, là. Je suis en train de chercher... pour mon devoir 5. Il manquait quelque chose au professeur, ben au tuteur, supposément. Fait que je vais lui envoyer ça. Je suis en train de manger une barre croquante saveur de biscuit et crème, comme ça, de Kellogg's. J'ai reçu ça dans une boîte d'échantillons, là, de Sample Source. Puis c'est vraiment, vraiment bon. Là. Ça m'assure. C'est nouveau. C'est vraiment bon. Je sais pas à quel point c'est bon pour la santé, par exemple. Là. On n'en parlera pas. Allô, Flo Flo! C'est midi, on mange des restants. Fait que... la soupe avec le reste des petits pâtés. Garde-le pour l'instant. Qu'est-ce que tu veux? Je veux mon frère. Avec de l'humus, sur de l'olive. Je veux du pain. Puis c'est ça, la soupe aux légumes. Annabelle, elle veut enlever son tibant parce qu'elle dit qu'elle est rendue une grande fille. On va l'enlever. La soupe, simplement pour vous dire... que c'est une soupe qui nous a coûté à peu près 4$. Il y en a en masse pour 6. C'est une soupe habitant, comme ça, qui est en rabais à 1$. J'ai mis environ 1 litre d'eau dans le fond d'une casserole. J'ai rajouté une canne de soupe. J'ai rajouté une canne de macédoine. Une canne de sauce tomate, de soupe aux tomates. Puis j'ai assaisonné aussi là, avec du bouillon de poulet. Vous voyez le niveau, là? Qu'est-ce qu'il était? J'ai donné un bol aux enfants, moi j'en ai mangé deux. Puis, on en a encore, là, en masse pour deux, trois bols, facile. Ça nous a coûté à peu près 4$ pour ce repas-là. Plus les à côté qui étaient des restants, fait que... C'est ça qui nous reste, après le dîner. Donc, il nous reste en masse pour demain midi. J'ai tressé mon écharpe, ici. Pour la casser, je sais pas trop comment dire ça, mais pour la rendre plus souple, dans le fond, pour la souplir. Je sais pas si ça pourrait être quelque chose d'intéressant que je vous montre, si jamais vous voulez savoir comment qu'on fait ça. Parce que ça est neuf, fait qu'elle est vraiment raide. C'est une des façons de la souplir, là. S'il y en a qui veulent le savoir, ben... Je pense que je vais prendre le temps de le faire devant la caméra. Que là, Frédéric est dehors, il est en train de terminer de fermer la piscine. Ben en fait, il a terminé de fermer la piscine, puis là, il est en train de défaire le gazebo avec Annabelle et Olivier. Voilà. Allô, tes gars! Allô! Bye bye! Fait que c'est ça, là, je suis en train de faire de l'étude. Puis, je vais bientôt faire ma... Ouais, je sais pas si je la fais tout de suite ou si je fais la vaisselle avant de la faire. Je pense que je devrais peut-être la partir tout de suite parce qu'il y a plusieurs étapes, là. Mais je vais faire
la sauce boostée, là. La sauce tomate boostée. Fait que je m'en vais chercher ma recette, puis je vais faire ça pendant que mon petit garçon il fait de deux. Fait que ouais, je vais faire ça, puis je vous montrerai au fur et à mesure, là. Je sais pas si je vous ai parlé de ça, mais... ben oui, je pense que oui. Non, laisse-les comme ça, de ce côté-là. Ouais. Mon four, laisse-les de l'autre côté parce que ça tourne pas sur l'ordinateur. Recule un petit peu. Voilà, comme ça. Bon, c'est ça. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais mon four, il est comme brisé, là, l'élément à l'arrêt. Fait qu'on sait pas si c'est l'ordinateur du four, si c'est l'élément ou si c'est comme le thermomètre. Fait que à chaque fois qu'on fait quelque chose, on a de la misère avec ça. Récemment, mon lave-vaisselle écoulait, puis finalement, on s'est aperçu que l'élément touchait le fond du lave-vaisselle. Il était comme décroché de son emplacement. Et ça faisait fondre le plastique du lave-vaisselle. Puis pour faire fondre le plastique du lave-vaisselle, là, il a fallu qu'il traverse au moins, je sais pas, peut-être 2 cm de plastique, là, parce que c'est vraiment épais. Fait que je suis un petit peu découragée, puisque là, j'ai l'impression que tout brise dans ma maison. Là. C'est fou. Ben, pas juste dans ma maison, regardez mon pare-brise. Mais bon, Étienne qui se donne cœur joie sur les flatulences. Bref, c'est ça. Ouais. Quoi? Oui, mais là, je suis en train de l'allaiter. Je peux t'aider, papa! Puis là, c'est ça, mon frigo, des fois, il gelait les affaires. Là, mon four qui fonctionne pas, mon lave-vaisselle qui est percé. On en a comme besoin. Puis là, l'oiseau, il est sorti. L'oiseau, il est parti. Si jamais dans un... Oui, les perruches, ça pince. Mon ordi aussi qui arrête pas de briser tout le temps. Je suis quand même vraiment découragée là. J'ai l'impression que tout pète comme. En tout cas, faut croire que c'est la vie. Hein? Mais là, c'est sûr que j'ai besoin. Premièrement, j'ai besoin d'un four. Fait faudrait que je fasse réparer mon four au moins. Puis le lave-vaisselle, ben. C'est dommage, mais il va falloir que je le remplace. Fait que soit je m'en trouve un usagé. Ou soit que je m'en achète un nu. Fait que peut-être que lundi je vais aller voir, là, mais. Oh, juste, c'est rendu cher en plus. Là. Alors, faudrait qu'il ait fait le port d'hier. Je sais pas si je l'ai montré. En tout cas, je pense pas. C'est une recette du livre? Oui. Une recette du livre 3 fois par jour, comment ça s'appelle? C'est porc, moutarde, miel, Dijon. Ok. Mais nous autres, on n'a pas. Miel, moutarde, Dijon, mais j'avais pas de moutarde, Dijon, fait que j'ai fait la moutarde avec le miel. Et ça? Et écrasé de chou-fleur et de pois chiche. C'est vraiment bon. Je suis en train de faire ma sauce boostée. Parce que là-dedans, j'ai pas mal tous les ingrédients. Là. Je pense le poivron, les courgettes, le champignon, le poireau. Et quoi d'autre? L'ail, le poivron vert, le poivron rouge. Là, j'ai commencé à blender. Puis c'est cette sorte-là de tomate broyée, oups, que j'ai pris. C'est une partie de ma vaisselle. Là, je continue. Puis là, mon four, il fonctionne! Je suis tellement contente. En tout cas, je pense. Fait que j'ai fait cuire mes... c'est ça, hein? Et commencer à fonctionner finalement. Fait que, voilà. Donc là, je vais faire une pâte au citron. C'est ça, là, je fais un petit peu tout en même temps. J'ai préparé mes choses aussi pour faire un potage parce qu'il nous reste des légumes qu'il faut passer. Ok, voilà.
Bon, donc là, j'ai terminé mes tartes au citron. Il a manqué de meringue. Mais dans le fond, c'était censé en faire juste une, mais un petit peu plus grosse. Puis finalement, j'en ai fait deux. En tout cas. Dans le fond, j'ai des muffins aux carottes puis des muffins aux pépites de chocolat. Parce que mon four, il fonctionne. Fait que là, j'ai décidé de l'utiliser. Ma sauce boostée est finie. Là, la couleur est un petit peu moins rouge, mais dans le fond, c'est parce que j'ai utilisé un poivron rouge puis un poivron vert, alors que la recette, c'est deux poivrons rouges, tout simplement. Puis là, j'ai mes légumes qui sont en train de mijoter. Fait que après ça, je vais enlever l'eau, puis il va me rester juste à blender, puis mettre bouillon de poulet, puis tout ça. Fait que, ouais, là, je vais goûter à ma tarte. Puis après, je pense que je vais finir le vlog parce que au fond, je pense que je vais faire une journée. Ben, un vlog avec les trois. Ben, en tout cas, un vlog avec, genre depuis le 22. Là, on est le 24? 25? On est le 25. Fait que depuis le 22 jusqu'à là. Fait que, ben, on va se dire à demain. Bye tout le monde!